Et derrière moi, une jolie carte de la ville de Panama. Où on se trouve aujourd'hui ici, là où il y a le cercle, d'abord on est juste ici. Là vous voyez la fameuse route, le périphérique sud, vous voyez passer au-dessus de l'océan Pacifique, tout ça ici, c'est l'océan Pacifique. Ici se trouve la petite tour de M. Donald Trump. Votre père se trouve juste ici. D'accord ? Vous l'avez fondé ici. Pas de raison particulière, sauf qu'on pense que comme il y avait déjà la communauté indigène, ils sont venus s'installer à la communauté indigène, et petit à petit ils ont grandi, puis finalement il n'y a plus d'indigènes, il n'y a plus que des colons. On sait même que le premier chemin contre les Espagnols, c'était déjà le chemin que les indigènes utilisaient pour faire du business dans le Pacifique. Et les Caraïbes. Donc, par rapport au destin entre les deux océans, ça fait bien le siècle ici. D'accord ? Comment est-ce que cette ville va être détruite ici ? Parce que les pirates, pendant la guerre des Caraïbes, ont surtout attaqué les positions espagnoles. Les pirates, c'est les Anglais, les Français, les Hollandais. Un joli petit musée situé sur le bord de la mer qui nous fait découvrir l'habitat des Panaméens à travers les âges. Nous nous dirigeons ensuite en direction des ruines de l'ancienne ville de Panama. Plus ou moins bien conservé. C'est le couvent des Nonnes de la Conception, la seule ordre religieux féminin qu'il y avait ici au Panama. Vous voyez qu'il y avait bien des salles. Le fait qu'ils étaient installés là-bas, parfois des concierges qui sont organisés, etc. L'ancienne ville de Panama fut fondée en 1673, après la destruction en 1671 de l'ancienne Panama, détruite par l'attaque du pirate Henry Morgan. Pour cette raison, elle était protégée d'une forteresse faite de grosses murailles de pierre ainsi que des remparts. Pour
L'inconvénient des bateaux, c'est qu'on ne voit jamais la mer. Oui, on les sait, les inconvénients, c'est pour ça qu'on attend. Écoutez, là, on ne va pas venir avec les. Mais on reste trop à la mer. Nous escaladons l'ancienne tour de la cathédrale pour une vue étendue sur l'horizon. En 1821, Panama prend son indépendance et va vouloir réaliser le rêve de M. Bolivar. Avant de continuer, je fais une petite parenthèse ici. Regardez à droite,